Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir pour ceux qui sont en train de kiffer nuit chez eux. Ici Maître P, le gardien de la tradition. Aujourd'hui, je vais vous donner toujours pour l'amour, parce qu'en ce moment, il y a trop de problèmes d'amour. 90% des messages que je reçois, c'est que des problèmes d'amour, problèmes de cœur, problèmes d'amour, que le cœur, ça va pas. Donc, je vais vous ramener une recette pour faire soit revenir à la personne qui est partie, ou alors pour garder la personne qui est déjà là, pour que notre femme ne puisse pas venir l'arracher, pour empêcher notre femme d'arracher votre gars. C'est plutôt dans ce sens, pour empêcher la femme d'arracher l'homme que vous êtes avec. Pour ça, vous avez besoin de quoi? Vous voyez ces feuilles-là, ce sont des feuilles de laurier. Ça, c'est notre type de laurier. Donc, il ne faut pas après m'écrire pour me demander. Regardez bien les feuilles. Je vous ai déjà donné le nom, c'est laurier. Vous allez sur Google, vous tapez laurier, et puis comme ça, vous regardez les feuilles. Vous allez voir c'est quel type de laurier qu'il y a là. Vous prenez 4 feuilles de laurier. Un parfum Bintou. Ça veut dire encore ce parfum Bintou qui revient. Mais oui, Bintou revient parce que Bintou rentre dans beaucoup de choses qu'il y a là. Un petit nœud rose. Un miroir. Et une aiguille. Maintenant, comment procéder pour entrer dans la tradition? Prenez vos petits carnets et écrivez. Je sais que vous êtes prête. Vous prenez une feuille de laurier avec l'aiguille sur le miroir. Pourquoi sur le miroir? Parce que vous allez faire ça, même si quelqu'un va consulter quelque part, il ne peut pas voir ce travail. Sur le miroir, vous mettez la feuille de laurier et vous écrivez le nom du, par exemple, le nom du gars d'abord. Il s'appelle, Dupont. Tu peux ça sur une feuille. Feuille de laurier. Deuxième feuille de laurier. Vous avez écrit dans ce sens-là. Il y a ce côté-là qui est par là. C'est une autre feuille qui va vous représenter ce bout-là et de ce côté. Avec votre nom et prénom. Donc du coup, vous allez coller les deux comme ça ensemble. Maintenant, c'est ça, déposer ça sous le miroir en attendant. Prenez les deux autres. Par contre, les deux autres, vous irez dans la même direction. Le côté qui a la feuille était embranché, vous mettez de ce côté droit. Vous écrivez. D'abord votre nom et votre prénom, mesdames. Donc Dupont. Dupont.
Attends, toujours dans le sens de là-bas, vous écrivez celui de l'homme. Du point. Et ils écoutent ensemble, comme si l'homme est là, la femme, c'est vous la femme, vous mettez au-dessus. Les deux sont ensemble comme ça. L'autre, c'est l'un devant l'autre. Maintenant, vous collez le tout comme ça. Maintenant, vous collez le tout comme ça. Et avec votre bandelette, vous faites un nœud au milieu. Et ça, il faut faire ça un mardi. Un mardi, je précise bien. Un mardi, ça se fait un mardi, ce rituel-là. Un mardi à 15h30. Un mardi à 15h30. L'heure de votre pays. C'est pas la peine de chez le GMT. Mardi 15h30, l'heure de votre pays. Vous faites un petit nœud. Prenez votre bintou. Votre bintou, vous l'avez déjà ouvert. Je prends le bintou qui est déjà ouvert. Sur le miroir, et vous faites comme ça. Il reste du bintou dessus. Vous voyez, ça tombe. Ça, c'est bon. Et j'allais dire. Yod, he, vo, he. Yod, he, vo, he. Yod, he, vo, he. Yod, he, vo, he. Vous dites ça dans les quatre points cardinaux. Maintenant, vous faites en haut. Yod, he, vo, he. Vers le bas. Yod, he, vo, he. Fini. Vous prenez cela, vous pliez comme ça. Vous repliez ainsi. Comme ça. Vous allumez un bon feu. Un petit fourneau. Vous allumez un bon feu. Et vous mettez cela dedans. Le mardi à 15h30, vous faites ça. Donc, même si ça dépasse 15h30, ça à 15h30, vous préparez ça. Après, vous mettez ça dans le feu. La cendre qui restera, vous mettez ça. Il ne faut pas jeter ça comme ça. Vous mettez ça quelque part, soit dans un endroit qui a de la terre. Vous déposez ça dans la terre là-bas. C'est fini. Cet homme-là va vous laisser comment? Mais. Il faut que ça soit votre mari. N'allez pas faire ça sur un homme qui n'est pas votre mari. Faites ça sur un homme automatiquement qui est votre mari. Parce qu'il y a des femmes là maintenant, la concurrence, elle est rude. Donc faites ça sur l'homme qui est votre mari. Parce que pour qu'il ne puisse pas avoir une petite qui prend en main et qui s'en va avec. Vous ne soyez pas une victime. Parce que le mot victime là, je n'aime pas du tout. Donc, vous avez bien compris la chanson. Je répète les mots. Yod, he, vo, he. C'est ça que vous dites. Dites ça. Les quatre points cardinaux.
Vous pouvez commencer devant si vous voulez. Tout rituel, toute recette que vous effectuez, il faut toujours le faire face à l'est. L'est, ça dit le soleil, le vent. Toujours face à l'est. Prenez ça comme ça. Yod, hey, vo, hey. West, yod, hey, vo, hey. Le sud, yod, hey, vo, hey. Le nord, yod, hey, vo, hey. En haut, yod, hey, vo, hey. En bas, yod, hey, vo, hey. Bien fermé. Votre feu s'allume, le charbon est bien rouge avec le feu dedans. Mettez ça dedans. Vous mettez un charbon qui est bien incandescent, que ça soit bien allumé, bien rouge, vous mettez ça dedans. Ne rajoutez plus de combustion dedans pour que ça puisse flamber. Non, non. Laissez ça comme ça. Quand tout a brûlé, laissez ça faire comme si vous êtes en train de regarder, il faut regarder comment ça brûle. Hein. Quand tout est brûlé, à ce moment-là, vous ramassez le tout. Vous allez à un endroit qui a la terre. Il faut qu'il y ait de la terre. Pas la terre dans un pot de fleurs. Non, non. La terre que nous savons que ça peut être un petit bois, une petite forêt. Ça, vous ne jetez pas ça comme ça, vous déposez ça dans la terre comme ça. C'est pour être lié. Tant que vous marchez sur la terre là, vous êtes lié dedans. Et bien, c'était Maître P, gardien de la tradition, qui vous a donné, comme d'habitude, des secrets. Prenez vos petits carnets et notez. Faites des photos, arrangez-vous, dessinez, faites tout. Le petit carnet doit être opérationnel. Abonnez-vous, ramenez le nombre d'abonnés. Puis il y a des abonnés. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, précédemment, je ne vais pas faire ça très longtemps. Donc ramenez le maximum d'abonnés. J'ai trop de choses à faire. Je préfère prendre mon temps, profiter de ce temps-là que j'ai là pour vous donner le maximum de choses. Donc, emmenez les abonnés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification, partagez la vidéo. Vous voyez, des gens, on leur donne des choses gratuitement, même la vidéo, il n'y a pas de partage. Comment vous expliquez ça? Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre puisse connaître les choses. Vous les gardez pour vous-même, pour vous seul du moins. Mais partagez la vidéo. Moi-même, je le partage sur ma page Facebook. Sur la page même de Secret pour les femmes. Mais il n'y a personne qui partage. Parce que si elle partage, je veux savoir. Partagez la vidéo. Je mets même juste en haut. Partagez la vidéo, vous partagez pas. Vous attendez que moi aussi je dois partager. Je vous donne gratuitement, je dois partager aussi. La vie est belle, hein? La vie est très belle. Et c'est avec ça que nous voulons construire un autre monde, un monde meilleur. Le vivre ensemble, sans partage, sans rien. En tout cas, je crois en vous. C'est pour ça que je fais ça. Donc partagez-la. Partagez la connaissance. C'est pas la peine d'appeler quelqu'un pour dire, ah tiens, je vais te donner ce secret-là. Envoyez la personne, elle va aller s'abonner. La personne va faire son carnet lui-même. Elle-même, du moins. Cette personne, il va faire son carnet elle-même. Sur ce, c'était Maître P, le gardien de la tradition. Prenez soin de vous. Et que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous gardent dans la santé avec un cœur pur, propre. Prenez soin de vous. À bientôt. La tradition continue.